Salut tout le monde, épisode 3, suite à l'épisode bonus qu'on a fait où on s'est occupé du train qui était là initialement. Là maintenant il est dans le garage, je le remontre pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà. J'ai même idée en fait de voir si on peut cumuler les grandes rampes comme ça là, c'est-à-dire en mettre deux d'affilée. Je sais pas trop si c'est possible, mais ça permettrait de faire un truc encore plus haut. Donc à voir, je vais peut-être essayer de faire ça à l'occasion. Mais pas aujourd'hui. Là on va bosser. Parce que bon, mine de rien, on a perdu pas mal de thunes avec cette histoire de train électrique. Donc on va essayer de faire un truc qui est rentable quoi. Je vais utiliser le clavier, je verrai bien si ça fait beaucoup trop de bruit, je passerai à la manette. Ça m'embêterait un peu parce que c'est moins réactif. Mais on va voir ce que ça donne vu que maintenant le micro est bien calibré. Ce qui va logiquement changer les choses par rapport aux épisodes précédents. Alors un petit oiseau m'a dit que tu commençais à te faire un nom à Pinakov. Ouais d'accord, bon, peu importe, dès que c'est du boulot je le fais. Ah! Ouais, ok. D'accord. Bon bah c'est parti. On va déjà virer tout ça. On va se le mettre là, tiens. Histoire d'essayer de faire des dunks. Mais sérieux? Voilà. Je me fais mettre à l'amende par une poubelle, quoi. Ah non, mais elle veut pas celle-là, en fait. Quoi, c'est parce que je respecte pas le tri sélectif, c'est ça? Attends, regarde. Là, tu vas la prendre. Voilà. Attends, en fait, je vais m'occuper déjà des sacs poubelles, parce que ça me fatigue. C'est pas parce que j'aime faire des dunks, hein. C'est juste parce que... Mais il est où le deuxième? J'en ai vu deux là. Il a eu peur de se faire envoyer en l'air ou quoi? Apparemment. C'est vraiment dégueulasse chez vous. C'est con parce que l'environnement est sympa, donc tout gâché parce que vous entretenez pas votre maison, c'est débile. En fait, il veut tout vendre, d'accord. Je sens que je vais avoir du taf pour réaménager, ça va être pareil à l'intérieur. On va faire le tour. Il n'y a pas les plantes suspendues là? Non, donc ça c'est bon. On est déjà monté à 41 000 juste pour ce qu'on a vendu. En haut, ça donne... Ah, je t'avais pas vu, toi. Oula. Ça, tu gardes. Ouais, ça, tu gardes. Les plantes, tu vires. C'est trop classe, en fait, son truc à lui, là. Ah d'accord, tu vires même ça, ok. J'aurais bien vendu les cartons de pizza, moi. Ils ont fait exprès de les mettre là pour qu'on fasse des dunks. Non! Je recommence. C'est mort. Voilà. Ah, peut-être que ça, ça se vendait. Ouais, voilà. Donc là, on est bon. On va virer les déchets. C'était la chouille ici, hein. On
On va déjà finir ça. Hein. Ah, j'en ai oublié là-bas. Ouais, c'est ça. Niveau tâche, ici, on est comment? Ah, donc, il veut un transat, il veut tout ça. Bon, on va le faire maintenant. Donc, deux transats. Assez moderne, on va prendre. Vers la plage. Hein. Ensuite, il faut quoi? Un nouveau parasol. Celui-là, ça fera l'affaire. Vous avez le soleil dans la tronche, mais pas sur les pieds, c'est très bien. Après, il faut remettre des plantes. Il en faut combien? Je vais pas regarder. 12. Ah ouais, donc c'est plusieurs par pot, quoi. Donc celle-là, il t'en faut quelques-unes, j'imagine. On va déjà en mettre une à chaque. Et après, on va voir avec les autres. Bah, il en faut 6 de celle-là. D'accord. On complétera après. Donc la 6 de... Ah non, c'est 6, c'est en commun, en fait. Ok. À partir du moment où je vais en mettre une ici, ouais, ah bah non, si, c'est bien ça. Oh là là, ils sont sérieux, il n'y avait pas assez de pot. Il faut que je fasse autrement. Voilà. Un peu de bouton. Ok, une petite table qu'on va mettre ouais là, très bien. Copier le style, coller le style et coller le style. J'aime bien coller le style. Donc ici on est bon, déchets, tout ça, etc. On est bon aussi. Franchement, je pense que ça fait vraiment trop de bruit avec le clavier, c'est sûr. Je vais essayer de faire comme ça. Par contre, comment on fait pour copier le style, pas copier le style, etc. Ça, c'est le scan. J'avais joué à la manette. Hein. C'est pas ça. Ça, c'est se baisser. Ça, c'est sauter. Ça, ça fait rien. Ah, ok. Voilà. Là, on est bon. On va essayer comme ça. Ça fera moins de bruit. Je fais les façades après. Vaporis chaussures. Les empreintes, heureusement qu'il y a le produit, parce que franchement, c'est un calvaire. Du coup. Ouais, ici. C'est vraiment dégueulasse chez vous. Ah, j'ai failli me brosser les dents. Ça, c'est de l'intérieur. Ici, il n'y avait rien. Tout ça, là, c'est bon. Extérieur aussi, apparemment. Bon, ben, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est là qu'on se marre. J'imagine qu'il veut tout vendre. Bah ouais, je m'aurais étonné, tiens. Il va falloir tout réameubler, ça va être chiant. Voyons, à la manette, c'est pas pratique. Hein. Faut viser. C'est un coup à faire une bêtise.
Les produits, je peux les vendre aussi? Non. L'éponge. Ah. Ventilo. Bah oui, tu vends. Ça aussi, ça aussi. Ça, tu gardes. C'est étonnant. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un trophée. Trop bien. Dac. Donc, déchets. Attends, il y avait un truc. Ouais, ça. Ça aussi, j'imagine. Ouais. D'accord. Ça, c'est à vendre. De toute façon, maintenant, j'avais débloqué le truc qui fait que si tu ramasses quelque chose à la poubelle et que ça pouvait se vendre, ça te rapporte de l'argent quand même. Donc, il n'y a pas trop de risques, en fait. Je pourrais tout faire comme ça, mais... Autant essayer de faire les choses bien. Alors les dingues, ça va être plus compliqué à la manette, à mon avis. Non, en fait, c'est plus facile. La blague. C'est parti pour le nettoyage. Ah bah, j'avais oublié des déchets. Oh, les plafonds. Ça, c'est des gens qui ont pissé sur le toit. Il reste trois tâches. Ça doit compter les fenêtres. Ah non, ça compte pas les fenêtres. Donc il reste trois tâches ici. Mais où sont-elles? Elles sont là. Bon, il en reste encore une. Scanner. Oula, c'est pas celle-là, hein, mais... Autant qu'on les fasse aussi en même temps. Bon, ça, ça dégage. Il doit... Ah bah oui, je l'avais pas vu. Voilà, ça c'est bon. On fait les fenêtres. Faut appuyer, faut faire quoi? Ah oui, voilà. D'ailleurs, les baies vitrées immenses, là. Tour Montparnasse infernal. Ça, ils sont gentils. Ils t'obligent pas à nettoyer absolument tout. C'est presque dommage, mais... Oh, je fais ça comme un pro, ouais. Comme dans la tour Montparnasse infernale, un vrai pro. Mouvement circulaire. Un petit coup de crachat, voilà, hop. Toi, t'es sale aussi. Bah, c'est bon, non? Il reste quoi? Et sérieux, il chipotait pour rien là. Donc ça c'est bon. Toi tu dégages. Et tu dégages encore plus. Non, pas comme ça. Pourquoi là j'ai pas réussi? Voilà. On va finir l'autre pièce. Ah ouais, je vais vraiment tout devoir réaménager. C'est chiant. J'ai rien à vendre. Si, ça. Oh, la manette, c'est chiant. Ah, une fois que t'as pris goût au clavier souris ou que t'as repris goût, c'est pas la peine. Hein. Ok. Les portes, tu gardes, hein, rassure-moi. Oui, il garde. Ça, c'est bon. Well. Niveau saleté, on est bon, là. Il reste une fenêtre. Ça.
peut-être aérer. Hein. Non, ça va me gêner. On aérera après. Du coup, il faut quoi pour ici? Ah, il n'y a pas de tabulation, en fait, là-dessus. Si, il y a ça. Donc, déchets, il reste des déchets. Pardon? Ah oui, excuse-moi. Je t'avais pas vu. Hop. Donc, tu veux... Bon, on n'est pas sur la bonne pièce. Ah si. Carreau, un demi-brique. C'est pour quoi faire ça? Espace acheté. Et il pouvait pas me proposer une touche qui va avec le clavier, lui. Donc c'est l'ensemble, en fait, qui refait comme ça, j'imagine. Je pense que c'est ça. On va essayer avec une boîte, déjà. Ça risque d'être comique à la manette, ça. Vaut mieux penser à mettre ça avant, parce qu'une fois que je vais mettre la douche, je vais l'avoir dans l'os. Y compris pour les autres éléments de la salle de bain. On va essayer de pas déborder. Si c'était si simple pour faire de la faïence en vrai. Pareil, changer la taille, on fait comment avec la manette là? Ah ouais, ok, avec les flèches, d'accord. Je sais pas si c'est la couleur qu'il voulait, mais on s'en fout. Il avait qu'à être là. Ou le faire lui-même. Tout en me payant, bien sûr. Ouais, on commence comme ça. Ah! Là, j'ai une amélioration. Ça va être dur d'aller vite avec, avec la manette. Hein. Ah ouais, non, c'est chiant. Bon, par contre, j'aurai la confirmation, moi, en réécoutant la vidéo, si ça fait vraiment trop de bruit, clavier souris. Et plus tard, j'investirai dans un clavier non mécanique. Parce que j'en ai un, sauf qu'il n'a pas la connectique USB, le coquin. Quand même plus rapide, là. Ok, c'est la même chose pour le sol. Bizarre, ça. Ça, c'est quoi, carreau en pierre brute? J'ai fait l'inverse, en fait, c'est ça? Je le sens bien là. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Je crois que j'ai fait l'inverse. Bon, on s'en fout tant que je lui fais ce qu'il me demande, mais... Écoute, le sol sera foncé, et puis s'il n'est pas content, c'est pareil. Ça comptabilise quand même, donc... Hein. Voilà. Ça dégage et ça dégage. Donc, maintenant, les éléments. Il te faut un miroir, on verra après. Une douche. Bah pour le coup, on va la laisser sombre, hein, puisqu'on a fait un mur comme ça. Donc tu veux cette douche-là. Ok. Hop, c'est posé. On n'a plus besoin de les installer, ça c'est dommage. J'aimais bien quand on installait les siphons, etc. Mais là, on peut plus, c'est fini. Cet épisode-là se consacre pas à ça. Les water closets, il faut que je garde la place pour eux. La porte s'ouvre par là, donc je peux les mettre à droite. Ok. Qu'on tombe pas dessus quand on ferme la porte ou qu'on ouvre la porte. Quoi. Du coup, pour le coup, le lavabo, lui, par contre, peut être ici. Il n'y a pas besoin de peindre le mur. Ça me surprend, ça. Pareil, il n'y a pas de guide pour la hauteur des meubles. Donc à chaque fois, je suis obligé de me fier au poignet, en fait. Poignée, donc ouais, on va dire là. Oh, je change pas la couleur, hein, je m'embête pas. Assez près, voilà. Les chiottes vont être ici. Ensuite, bah c'est tout. C'est tout pour ici. Ça pourrait être plus moche, hein. J'aurais dû faire l'inverse vraiment, mettre ça au mur, mais bon, c'est pas grave. Ça aurait été chez moi, j'aurais fait attention, mais là, je m'en fous, en fait. C'est pas pour moi, et je suis payé pareil. J'aime bien, ils font un concours de la pièce la plus dégueulasse. Tu rentres ici, c'est dégueulasse, et après, on dirait qu'ils essayent de battre des records. Je crois qu'ils ont gagné.
Hop. Ça dégage, ça dégage, ça dégage. Et toute la baraque peut dégager dans cet état-là, mais bon. Après, elle va être très très belle. Je le sens. C'est sale ça ou quoi? On n'arrive pas trop à savoir, hein, vu l'état du bois. Non, pas, ça n'a pas l'air. On va vérifier derrière la porte. Ouais, non, c'est bon. Parce que ça, c'est le piège. Il reste 6 tâches. Ah oui, effectivement, ouais. Parce qu'on peut pas les rater, celle-là. Hein. Peut-être que je m'occupe de l'amélioration que j'ai eue, moi. Fini les tâches. Non, pas ça. C'est pas ça. Nettoyer la fenêtre. Ah bah, d'être passé à la manette, maintenant, c'est le bordel. On va y arriver. Voilà. Wow, 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 wow. Un vrai pro. Oh, 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 oh. Très smoothie comme mouvement. Et là, ça part en sucette. Le mec, il a déjà plus de poignée, quoi. Je fais exprès, hein. Je suis pas... voilà. Donc là, on est bon pour ça. Maintenant, faut acheter. Ah oui, on a dit qu'on allait voir l'amélioration. Du coup, amélioration pour la peinture. Utile, hein, ça, je l'ai déjà fait. Là, c'est encore mieux, c'est ça? Encore moins de peinture. Et là, c'est plus large. Non, je préfère rester précis et moins consommer. Et ça, ça me permet de porter plus de carreaux. Hercule, encore plus de carreaux. Des choses en grand. Ouais, ok, mais je peux quand même rester précis. Oui, voilà, je peux quand même rester précis. Porter plus de carreaux, peut-être, c'est mieux. Donc, que veux-tu dans cette pièce? Tu veux une commode. On va déjà faire le lit, l'élément le plus grand. Le lit, on va te le mettre là, tiens. Essaye de se centrer au max. On peut pas faire mieux. Ça va être comme ça. Oh, j'ai pas vérifié s'il y avait un revêtement de sol à faire. Non, par contre, faut peindre. Mince. Ok, on s'est fait avoir. Tu dégages. La peinture. Je pense qu'un pot ça va suffire. En plus c'est pour un... seulement les deux murs opposés. Ok, pas de problème. Quand tu veux. Hein. Ah voilà, merci. J'adore le son que ça fait quand on peint. On peut utiliser les flèches aussi. Hein. Ça fait penser au jeu Le Serpent. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis un 33-10 dans les objets qu'on peut acheter. Snake. Bon, je suis pas trop à l'aise moi avec le clavier pour faire ça. Ça se sent tout de suite d'ailleurs. Hop, on recharge, on ferme la porte. Quand il veut. Il veut pas me le prendre ou quoi? Ah oui, j'avais pas désactivé l'autre zone. Faut penser à le faire ça. Oh, je voulais faire un carré parfait, je me suis planté. Putain. Bon, c'est là qu'on regrette de pas avoir pris l'amélioration maxi-rouleau en fait. C'est mieux quand on a des maxi-outils. Maxi-outils... Ah! Ben voilà! J'ai même pas débordé. Ça dégage. Et on peut enfin reprendre le lit. Voilà. Ensuite, tu veux quoi? J'imagine deux tables de chevet. Non, une seule. Pas de problème. T'en veux qu'une? T'en auras qu'une. Après, tu veux un réveil, ça m'aurait étonné. Je
serais bien tenté de te le mettre à l'envers juste pour te faire chier, mais on va pas le faire. Ça sera comme ça. Une lampe. Voilà, juste en dessous. Un miroir, d'accord. Les bougies qu'on a à la maison. La bougie. Je pense que je vais te la mettre là. Comme ça, si elle tombe, ça fout le feu à ton plumard et ta baraque, c'est fini. La commode. Où va-t-on mettre la commode? Ben, juste là. Il n'y a pas de télé, j'ai pas regardé. Non, pas de télé. Il veut un gros truc géant comme ça? Il est sérieux, lui? Bien sûr, sur le seul mur où j'ai pu accès. Ça passe ou pas? Ça a l'air. Ça aurait pu passer s'il n'y avait pas eu ça, quoi. Est-ce que je pourrais toujours mettre la commode après, quoi? Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais être embêté. Ça m'oblige à décaler la commode, quoi. Oh, la poisse. On est obligé de faire autrement. Bon, bah, mon homicide parfait avec la bougie, il est foutu. C'est pas grave. On va te mettre dans le coin, autant optimiser l'espace. Hein. Voilà. Ouais, c'est joli aussi. Tout ça, on va le mettre sur la commode. Et il te faut un miroir. Parce que tu es égocentrique. Donc, bah, si t'es égocentrique, je vais te le mettre au plafond, tiens. Tu pourras te mater comme ça. Voilà. Regarde ça. Tu vas kiffer la nuit. Un bibelot là. Une fausse plante là, qui tient sans pot. C'est une... Ah si, il y a le pot, je me disais aussi. Voilà, t'as ton pot là. Ta plante grasse. De grosses grasses graisseuses. Celle-là qui est un peu moins grasse. Et celle-là qui est aussi grasse que la première. Non, non, j'ai pas fini, vous rigolez, moi je veux 3 étoiles. Donc ça c'est bon. On se casse. Maintenant, faut meubler ici. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être bien chiant. Surtout pour la cuisine, parce qu'elle est toute petite. Bon, on fait déjà les revêtements. Ah ouais, non, il y a trop d'objets là. Donc carreau métro à demi-brique et panneau en noyer européen. Donc le panneau en noyer européen, j'imagine que c'est pour le sol. Pour finir ce truc là. C'est quasi sûr. C'est ça. Tac. Et ben non, il n'y a plus qu'à s'occuper de ce truc-là. Qui est franchement dégueulasse. Il faut le reconnaître, je comprends pourquoi il voulait changer. Non, pas cette couleur-là. Couleur 2. Hein? Non. Alors le sol est sombre, donc on va faire un truc assez coloré. Juste pour l'emmerder s'il aime pas. Tiens, ça. Faudra que tu l'assumes, mec, moi je te le dis. Ça me pique les yeux. Surplus. Allez, on attaque. Ah ouais, faudra vraiment l'assumer celui-là. C'est dégueulasse. Je suis un salaud d'avoir mis ça. En même temps, il m'a fait chier avec sa plante grasse et sa battement de géante là. Son planisphère. Là. Ça, c'est un clin d'œil au platiste, à mon avis. Voilà. Ça dégage. On veut plus l'avoir cette couleur, plus jamais. Ah non, c'est franchement moche. Je suis vraiment un pourri d'avoir mis ça parce que c'est dégueulasse. Ça va pas du tout. Ça fait carrelage de piscine sale en fait. Mais les piscines publiques. Hein. Oui, alors attends. Encore les plantes grasses, grosses, graisseuses. On va déjà s'occuper de ce qui est mobilier ici. Toi, tu vas aller là. Parce qu'il n'y a pas trop le choix en fait. Si, il y aurait d'autres choix à la rigueur. Tiens, on va essayer de sortir un peu des sentiers connus. On va te mettre... Il y avait une télé ou pas? Pas de télé. Le mec, il vit vraiment au bord de l'eau. Il s'en fout de la télé. Il a bien raison. Table basse. Voilà. Ouais, on va mettre ça là. Donc, ça veut dire que dans son canapé, il pourra pas voir la plage.
Si ça peut le faire chier, moi ça m'arrange. Du coup, meuble d'angle. Avec cette couleur-là, du coup, ça va très très bien avec ce beau carrelage. Cette belle faïence, pardon. Ensuite, réfrigérateur Jacob. C'est quoi cette marque? Je la connais pas. Ça, c'est un meuble suspendu? Ouais. Ok. Déjà que je vois où ça va, les meubles suspendus, tiens. Assez haut, je pense. Il veut bien me le mettre ou c'est comment, là? Suspendu. Ça va être chiant. Les cuisines, c'est le bordel à faire. Meuble de cuisine, le four. Je vais mettre le four là et la plaque de cuisson dessus. Plaque de cuisson, je me suis douté qu'il y en avait une, j'avais pas vu au début, mais c'est logique. Voilà. Après, la vasque. C'est bien, elle m'a copié le style directement, ça c'est cool. La vasque, je vais la mettre après, je vais déjà positionner le frigo. Frigo, tu es là. Une autre couleur, s'il te plaît. La base, comme ça. Ouais, sombre. Oh, il fait un boucan, le frigo, c'est une grosse daube. Bon, je te mets là pour le moment. Et ça m'a coûté une blinde, cette connerie. J'avais fait plein de thunes avec les déchets, mais en fin de compte, j'ai tout dépensé pour leur bêtise. On va poser la manette, on va la faire tomber. Donc c'est celui-là qui me manque. Hein. Ouais. Hop. Il lui en faut un deuxième, comme ça. On dirait. Ouais. Ah non, c'est parce que j'ai oublié de mettre ça. Enfin, je crois. Voilà. Il en faut quand même encore un autre. Tu es chiant. Meuble Jacob. Ensuite, deux meubles suspendus de ce genre. Il faudra juste que je copie le style après. Ah, oui. Ça m'aurait étonné, tiens. Mais pour l'instant, tu vas aller là. Et toi, on va te mettre ailleurs. Je suis au moins gentil, je vais lui aligner, si je peux, à peu près. Quand ça a été posé par les développeurs, on peut pas vraiment s'aligner à la même, sur la même grille. Ok. Il manque encore un meuble suspendu comme ça. Que, bien sûr, je ne peux pas mettre ici, et non plus ici. Ouais, je sens que ça va être bien chiant, là. On peut bien sûr pas le poser à côté, j'imagine. C'est encore la lampe qui me fait chier. Non, bah, si je peux pas le mettre comme ça, c'est que ça doit être posé contre quelque chose. Va me saouler, cette cuisine, là. Tiens, ton meuble suspendu, là, tu vas le retrouver ici, toi. C'est quoi le problème, alors? Je vais pas mettre un frigo ici. Je savais que ça m'emmerderait. Hein. Je serais capable de le mettre là, le frigo. Pourquoi on a dit que ça devait être dans la cuisine? On s'en fout. Voilà. Et puis, c'est tout. Parce que le frigo, il passait pas en dessous, ça. J'ai pas vraiment essayé, mais non, il passe pas, c'est évident. Ouais, bah il n'y a pas le choix, ça va être comme ça. Sinon, je le mets là. Hein. Ah, il va aller ici. Sinon, je le mets dehors. Ça lui fait un plus grand espace, donc il va pas se plaindre. Mais encore un meuble suspendu. Non, mais sérieusement. M'emmerde. Non, mais... Il va s'arrêter quand, lui? Tiens, très haut. Tu pourras même pas l'atteindre comme ça. Et c'est où j'ai merdé, en fait? Je crois que je sais où j'ai merdé. Et du coup, ça me stresse. Alors, attendez. Je crois que je sais. Ok. Ok. Si je fais un truc de ce genre... Enfin, s'il veut bien, hein. C'est quoi ça? C'est... Ah oui, c'est lampe. Ok. Non, alors ça, du coup, ça va plus là, ça va ici. Et ça me stresse tellement que ça soit à droite, mais bon, c'est pas grave. On va te mettre dans le bon sens. Ça solutionne pas mon histoire de frigo, mais au moins... ouais, ça fait moins bizarre. Parce qu'au moins, on a rempli les trous, en fait. Ça déborde plus. Et t'auras le frigo juste à côté de toi quand t'es assis dans la banquette, tu vas être très bien. On a dit qu'on copiait le style. Impose ton style. Voilà. C'est pas tout beau, ça? Tiens, sur toi aussi. Allez, bim. Et sur toi aussi. Non, en fait, j'aurais pas dû faire ça. Copier. Coller. Voilà.
On remet comme c'était. Maintenant, on continue. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Ah bah, bien entendu. C'est évident. Que ferions-nous sans nos petits équipements nous permettant d'être des grosses feignasses et de plus savoir faire à manger? Enfin, ça, c'est juste pour t'aider à pas avoir mal au poignet, mais quand même. On va te mettre ça là. Ensuite, une lampe de table, ça va pas pour être pour ici. Les étagères, ça va être pour ailleurs. La serviette. Important, la serviette. Elle doit se poser là-dessus? Non, elle ne se pose pas là-dessus. Si. Non, si. Ouais, c'est bon. Elle est dégueu, la serviette. J'aime pas. On change la serviette. Et on l'accorde au carrelage. Je peux pas copier le style du carrelage? Ça, c'est pas gentil. Je vais copier le style du meuble. Voilà. On s'adapte. Du coup, est-ce qu'il faut autre chose ici? Non. Donc on peut installer le bureau. Il y a un bureau. Il y a un bureau. Alors le bureau... Là. Non, pas là. Parce que j'ai vu qu'il y avait des meubles assez hauts. Donc si je les fous devant la fenêtre, ça va être moche. Ça sera ici. Ça, tout le monde pourra mater quand tu vas sur des sites interdits pour les... Hein, voilà. Après, le siège. J'aime bien les mettre comme ça. Ça fait plus naturel. Le PC gaming de marque Miko. Elle est où la tête? Il est où le cucul là? C'est comme ça? On peut l'ouvrir ou pas? C'était dans l'autre sens. Là. Oh, c'est mignon, il joue à House Flipper. Trop classe, le petit détail. Après, il te faut une lampe. Là-dessus, il faut une lampe? Bizarre quand même. C'est plus pour la table de... Ouais, je pense que c'est pour la table basse. Plus cohérent. Ou ça sera sur l'étagère, on verra bien. J'ai oublié la boîte à pain. La boîte à pain. Qu'on peut mettre là. On n'y va pas non plus toutes les 10 secondes. Étagère de garage. Mais il n'y a pas de garage. Faut pas chercher à comprendre. C'est normal. Tu vas avoir ça au-dessus de toi. J'ai pas, je me souviens pas avoir vu des tableaux, etc. Donc c'est pas gênant. Étagère de garage, ça va aller là. À moins qu'il y avait un autre grand truc. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je fasse gaffe. Là, on copiera le style. Ça va dans tous les cas déborder, j'ai l'impression. Ouais. J'aime pas du tout la déco dans cette baraque. C'est... Ouais. On m'a imposé des trucs qui me plaisent pas. Là, ça va déborder, donc je mettrai une fleur ici pour que ça choque moins. Et il faudra qu'on copie le style ou pas. Non, on va rester sur ce style-là pour ce coin-là. À part pour lui. Copier le style. Style bois. Pareil pour toi. Voilà. Et du coup, ben pareil pour toi. Pourquoi il veut pas? Et qu'est-ce qu'il fait? Copier le style. Colle-le. Ah ouais, d'accord, ça change pas le... D'accord. Tant pis. Ok, c'est pas grave. Donc, il faut que je repasse au truc de base. Rangement de bureau, crayon. C'est totalement moche. Pratique peut-être, mais moche. Un saladier. J'imagine que c'est pour la cuisine. Pour quand tu fais ton pain. Et un pot de fleurs. Ça, c'est pas pour la cuisine. Sauf si tu fais du pain bizarre. Voilà. Et là, on met à nouveau les plantes grasses, graisseuses, grosses. De graisse grassouillante. Voilà. Toi. Et toi, qui est moins grasse que les autres. Qui ressemble à Beetlejuice. Toi, je t'ai un peu trop décalé, j'ai l'impression. Voilà. On va dire comme ça, hein. Centré. Ah, ça, c'est à deux doigts de tomber, on va éviter. Voilà. Après, la fameuse baleine que tout le monde met dans ce jeu, je sais pas pourquoi. Ils sont fans de Pinocchio. Et des poissons. Ah, c'est pas comme l'autre qui voulait que j'enlève tout ce qui est en rapport avec les poissons. Lui, il aime bien. En même temps, s'il vit là... Ça y est, j'ai 3 étoiles. J'ai tout fini.
Ouais, c'était trop rapide. Bah. Attends, on va peaufiner, j'aime pas ça, moi. Peaufinons. Oh non, c'est un pain. Oh la blague. Alors non, toi, bah justement, là, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. On va copier le style de ça pour ces étagères. Je peux pas le faire pour les portes, c'est pas grave, mais au moins je le fais pour ça. Ouais, c'est mieux. Parce que vous en pensez, vous, mais moi j'aime bien. Même si tout le reste est dégueulasse et que l'ensemble l'est aussi. Déjà, ça me choque moins. Ça me choque beaucoup moins comme ça. Ok. Bon, ça va, c'est habitable quand même, hein. Il y a pire, on va dire, comme logis. On se casse. Toujours penser à fermer la poubelle. Je vais peut-être le remettre chez lui quand même. Il va pas s'amuser à faire des dunks, lui, je pense. On est bon. 25 000 balles, ça me va. Je vais pouvoir faire un train électrique encore plus grand comme ça. Ah, j'ai hâte de tomber sur cette baraque-là. Je vais mettre une grosse baffe dans la gueule au gosse qui écrit partout sur les murs. Mon premier objectif, ça sera ça. Mon écran géant, il est trop stylé. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Oui, Tom. C'est une rénovation complète, ça? Plus difficile que je ne le pensais, la maison était particulière. Oh, c'était génial, donne-moi-en plein. Ça rapporte beaucoup. Moi, je joue avec mon train pendant que tu me racontes tes conneries. Toi. Ouais, je t'écoute. Ouais, voilà, je l'ai dit, je t'écoute. C'est trop classe ce que j'ai fait. Bon, j'ai pas du tout lu ni écouté ce qu'il a dit, mais c'est pas grave. Il manque juste une DeLorean à mettre sur le chemin de fer, là. Passe même sous les skateboards et tout. J'ai trop bien fait mon truc là. Faut que je rajoute des décors. Et que je finisse les gares ici. Qu'est-ce que t'as? Achat de maison? Je peux acheter une maison? Oula, ouais, mais faut des sous pour ça, on va attendre. Dès que je serai à 1 million, je le ferai. Faut que je rajoute des roboracks aussi. Il n'y a pas assez de roboracks. Il est trop bien mon train. Train. On va au moins rajouter des roboracks. Roborack. Alors c'est pas dans le train que j'étais allé, alors c'est dans le jouet. Jouet petit train. Ouais, c'est sur ça que j'avais cliqué, voilà. Il y a même un Roborack comme ça. Il ressemble à quoi celui-là? Ah, il est cool. On va le mettre là. Non. Tiens, en face de l'autre. Voilà. Ensuite. Ah oui, j'avais dit que je devais faire le test des montées. Donc si par exemple je mets une montée comme ça, est-ce que je peux en mettre une autre au-dessus? Non, c'est-à-dire qu'il faut mettre un support. J'ai vu quelqu'un dans une vidéo le faire, mais c'était en mode éditeur, enfin en mode créatif, bac à sable, donc t'as plus de possibilités, je pense. Donc on peut juste rajouter des robots racks et des trucs comme ça, nous. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va mettre un canard en plastique parce qu'il y a plein de chambres de nana dans le jeu où il fallait que je mette un canard en plastique, ce qui est très très bizarre. Parce qu'on sait très bien ce qu'elles font avec. Donc, je vais mettre un canard en plastique dans ce virage là. Hop. Je sais, ça n'a aucun sens, mais on s'en fout. Ah oui, c'est autre chose que j'avais dit. Ah, je viens de me souvenir. J'y ai pensé en regardant la vidéo. Les spots plats. Ouais. C'est juste la couleur qui me va pas. D'accord. Voilà. Par exemple, si je mets ça, l'éclairage sera bien mieux, je pense. Quand je les aurai allumés, bien sûr. Bon, ils seront peut-être pas totalement alignés. Carrément pas, même. Mais c'est pas grave. Toi, t'es ici, tu suis cette ligne-là, tu suis là, et tu vas à peu près là. Bien sûr, le chemin de fer te gêne, donc on va te décaler, c'est pas grave. Ensuite, toi, tu suis cette ligne-là à peu près, et t'arrives ici. Et toi, tu es quasiment au début. D'ailleurs, tu es au début. Tu es là. Alors, comment on fait pour les commander? En mode créatif, on peut.
Et le problème, c'est que dans ce mode-là, on peut pas choisir pour que telle prise commande telle... Attendez, d'abord j'enlève ça. Je crois que je vais essayer un truc, attendez. Je vais essayer un truc. Électricité. Sélectionner le groupe, d'accord. Merci Ethan. Ça va me solutionner beaucoup de choses dans mon salon, ça. Bim. Et bim. Et c'est là que j'ai dit que je voulais plus qu'elle y soit. Et donc je valide après ? Allumer, ajouter, retirer. Ça a marché? Comment je valide ça? Je veux pas annuler, moi. Ah voilà, c'est bon, ça doit être bon. Enfin, j'espère. Oui, c'est bon. C'est mieux comme ça. Toi, tu dégages. Hop. Eh, mes trains a fonctionné, je veux voir avec la lumière. J'avais dit que je repasserais pas là-dessus, hein, sur le train, et qu'on attendrait, mais j'ai pas pu m'en empêcher, en fait. Bon, ensuite, les jouets. Jouets. Non, c'est pas jouets moule. Train. Jouets petit train. Donc on a quoi de... Ah oui, on voulait faire la gare aussi. La gare. Il me faut des blocs comme ça. On va se baisser. Je vais me prendre un train dans les fesses. Donc hop, on va faire la garde de cette taille là. Alors, faut pas que je fasse comme ça. 3 d'écart, ok. Et une autre gare aussi pour lui. Tac, après je te décalerai. Bloqué par mes ponts. Ah oui, c'est vrai. Foutu alter. Dac. On va avoir besoin de toi de toute façon. Au-dessus. Est-ce qu'on fait façon brique? Ouais, on va faire façon brique. Ok. C'est Roborak qui me bloque. Roborak. Je vais encore perdre tout mon pognon avec des jouets. Ça prouve que je joue à ce jeu de façon totalement RP. Il me faut une alcôve. Les alcôves sont là. Une ou deux. Ouais, une. Pareil. Sur les côtés aussi. Ah, c'est lui qui finit en premier, ça y est, j'ai ma réponse. Donc lui, il termine avant lui, mais juste avant. Hein. Ils sont quasi synchro alors que j'ai tout fait en mode à l'arrache. Donc franchement, j'ai été bon. C'est-à-dire qu'il y a quasiment le même nombre de segments. Il y a un seul segment de différence, en fait, entre les deux installations. Je suis une machine pour faire des trains électriques. J'en aurais un en vrai, franchement, j'aurais même plus de place dans la maison. Ça prendrait toute la place. Donc la personne concernée est prévenue. Si un jour on me provoque, je reviens avec 30 km de train électrique chez moi et plus personne ne peut bouger. Et je rigole même pas. C'est une menace. Toi.
On va finir ça avec toi. Ça fait bizarre, hein, mais on s'en fout. Le tout, c'est que ça ressemble à une gare, à peu près. Mais chier au Borac, là, à me gêner, là. Ah. J'aurais été chaud, j'aurais même reconstitué une vraie ville. Donc, faut pas me provoquer, c'est déjà bien, là. Est-ce qu'on peut suspendre un truc sans que ça soit posé sur quelque chose? Pour faire un toit, je veux dire. Faudrait que je regarde. Oui, je sais, faut que tu te baisses. Non, il va pas vouloir. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je remplisse. Et ça serait franchement dommage. Ça va être comme ça au pire. C'est bien, ça respecte les lois de la physique, quoi. On peut pas se permettre de faire n'importe quoi non plus. Ça va pas planer. Voilà. Je verrai après si je peux modifier leur couleur. Normalement, oui. Au pire, en copiant le style. Je ferai ça une autre fois. Là, on fera une mission à la place. Ok. Et un ici, quand même. Au Borac. Pointe. Pointe, pointe. Tout ça pour faire une gare. Le mec, on sait pas pourquoi il a acheté House Flipper 2, en fait. Déjà, je savais pas qu'on pourrait faire des trains électriques dedans. Donc, c'est pas de ma faute. Et en même temps, ils ont tout fait pour qu'on puisse les utiliser et faire ce genre de bêtises. Donc, c'est juste que sur YouTube, j'ai eu beau chercher, j'en ai vu aucun faire un truc comme ça. Aussi grand. Ça me rappelle ma maison géante sur Minecraft, en fait. Est-ce qu'on met des petits trucs mignons comme ça sur le côté? Déjà, est-ce que ça fait la bonne taille? Oui, ça fait la bonne taille, mais je sais pas si ça fait joli. Je pense qu'on va laisser comme ça pour l'instant. Ouais, on va laisser comme ça. Ok, on met au moins des véhicules. Dommage que ça soit tous les mêmes, je vais changer la couleur au pire. Robora qui m'énerve. Et là, on va mettre un stationnement en épi. Voilà. Couleur. Couleur de ça. Coller là-dessus. Ben voilà. Une autre noire. Celle-là. D'ailleurs, faudra tester sur ça. Ça marche. Je vais pouvoir faire un bâtiment photoréaliste. J'exagère un peu, mais ça sera déjà beaucoup plus réaliste. Ok. Ok. Là, à la manette, j'aurais été en PLS. Je vais réussir à viser ce truc là qui est minuscule là. Ouais, c'est bon. Ensuite, quel style on peut copier pour faire les autres voitures? On va copier Roborock. Ce Roborock là, il est rouge, donc ça ne me sert à rien. Non, pas celui-là. On va copier le radiateur. Non! Fais chier! Je me suis fait avoir. Bien entendu, allez. Je me suis fait avoir. Oh! C'est de là comme ça. Ok, on va copier le style de la voiture en bois. Ça, ça marche pas, faut pas abuser non plus. Ouais, ok, d'accord. Il veut pas coller la couleur sur la bagnole. Je te comprends, c'est totalement moche. On va copier ça. Voilà. Et toi, comme ça, et toi, comme ça. Et toi, du coup, comme ça. Et le canard en plastique, on va le faire comme Flash. Copier le style, est-ce que ça marche? Presque. C'est rouge ça? Ça doit être rouge. En tout cas, on a nos gares. Je veux encore des jouets. Oh, c'est... je l'avais pas vu lui. C'est un sectozoïde. Mais il a rien à foutre là en fait. Bah, c'est le mec qui gère la circulation. Voilà, c'est lui qui gère ça. Ok. Ah oui, on avait dit qu'on mettrait roquette aussi. Il est un peu gros roquette, mais c'est pas grave. Ça fait une grosse roquette, quoi. Grosse roquette, il va être en train de
Et il est prêt à affronter le Roborak géant là-bas. On te met là. Là. En plus, ça fait des ombres en plus, j'aime bien. Toi, Xena, la guerrière du futur de World of Warcraft, tu vas te mettre en train de soutenir Roborak qui va soulever l'altère. Voilà. Oh, une autre. Elle, c'est qui, ça? Ascendant Vénus. D'accord. C'est Alita. Ascendant Vénus. Elle vérifie que tout se passe bien ici. Il y a un hand spinner. Mort de rire. Il y a même le truc de danse. Oh putain, ça, je suis obligé de le mettre devant la télé. On va aller le mettre devant la télé. Et on peut même mettre un billard. Ce jeu, c'est un truc de fou. Lui, je l'aime bien. Mais j'en ai déjà un dans la chambre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Un petit stationnement avec plusieurs trucs de train, puisqu'on peut pas les accrocher. J'ai essayé de les accrocher derrière la locomotive et ça fonctionne pas. Ce qui est franchement abusé, en fait, parce que ça serait tellement stylé. Train de marchandises. Et quand je le lance, ça se barre sans. Voilà. Est-ce qu'il faut faire la jonction? Oh, ça se trouve, c'est ça. Non, bah non, c'est pas ça. Il veut pas. Oh. Hein, ça fout les boules. Ça fout clairement les boules. Du coup, on va en mettre plusieurs le long du truc. Il n'y a pas trop le choix de toute façon. Et je pense pas qu'il puisse les pousser. On va essayer, mais ça m'étonnerait. Ouais, il s'en fout complètement en fait, il les ignore. Hop. Voilà. J'ai encore passé plus de 20 minutes sur un foutu train, quoi. Ouais, à mon avis, moi, ce qu'il me faut, c'est soit un vrai train électrique, soit un simulateur pour faire des trains électriques. Parce que là... Hop. Hop. Voilà. Voilà. Bon voilà, ça s'est suffisamment étoffé pour aujourd'hui. On va continuer nos missions. Et là, j'ai lancé qu'un train sur les deux, donc déjà, c'est pas normal. Je peux ou pas? Ah oui, j'ai eu peur. D'ailleurs, en parlant de ça, on a oublié de nettoyer ici, nous. Et ça fait pas trop classe, franchement, mon train électrique géant. En fait, non, ça fait pas très classe du tout. Mais on s'en fout. Il y a au moins le mérite de l'avoir fait, quoi. On va aspirer ça. En tout cas, j'adore mon salon. J'ai plus qu'à refaire le sol. Et puis, on est bien. Ah oui, il y avait l'histoire de l'interrupteur. Interrupteur... De nouveau, merci Ethan. Donc ça marche. Ah oui, j'avais voulu le rendre indépendant, cet éclairage-là. Donc c'est-à-dire supprimer ce lien-là. Je veux plus de ce lien. Donc je refais les liens, c'est ça? Avec mes éclairages de... Ouais, non, c'est pas ça. Attendez. Toi, je veux que tu allumes ça. Ça. Dommage pour ça. Et c'est tout. Et je veux plus que tu allumes ce truc-là. Est-ce que ça a marché là? Mais comment je fais pour supprimer le groupe? Je veux le supprimer du groupe, lui. Retirer l'objet du groupe. Ah voilà, d'accord. Et là maintenant, je dois retirer l'objet du groupe aussi. Ce qui fait que cet inter-là allume bien les lumières que je lui ai demandé. Toi, c'est parce que j'avais oublié de t'éteindre, j'imagine. Ouais, c'est bon. Et toi, maintenant, je fais le lien avec ça. Voilà, merci. Remember, water the plants. Arroser les plantes. Pas que ça à foutre. Il fait quelle taille le billard? Billard. Ah oui, j'ai dit que je mettrais le truc de danse aussi. Truc de danse. Il est là.
Ouais, clairement. Parce que là, j'aurais ça devant un vidéoprojecteur, ça serait top. Donc je vais le mettre. Juste devant la cheminée, là. Ça, c'était tellement bon comme jeu. Oh, oh. Ça me donne envie de regarder Wasabi. Et donc le billard, tu fais quel... Ah ouais, bon, en fait, c'était le choix. Hein. C'est soit le train électrique dans le garage, soit le billard, quoi. Je pourrais très bien le mettre en haut. Puisque de toute façon, il y a une chambre déjà qui sert absolument à rien. La salle de bain, je me lave pas, je suis sale, donc je m'en fous. Je pourrais très bien la vider. Mais non, mais en fait, je vais vider celle-là. Ça, ça veut dire la chambre de mon arrière-grand-mère. C'est une chambre possédée, ça. Ça craint. On va vider cette chambre-là et ça sera la salle de billard et de fléchettes, etc. Et de bière. Parce que ça va avec. J'avais pas éteint la lumière, moi. Bon, bah désolé, arrière-grand-mamie, tu dégages. Oui. Ah oui, mince, j'ai eu peur. Je crois que je pouvais pas la vendre. Ça aurait été vraiment très, très bizarre. Salut, grand-mamie. Arrière-grand-mamie. Oh, le cadre. Oh, la vache. Fallait l'assumer, celui-là. Bah, la plante aussi, du coup. Hein. Et ce truc-là, comment je le pète? J'ai pas encore la masse. Donc, je ne peux pas le péter. Mais ça sera bien pour le truc de fléchette. Donc, il me faut le billard. Qui doit coûter une blinde. 738, c'est exactement ça. Ça coûte une blinde. Et c'est trop grand. Donc, il faudra que je pète un mur. Et c'est bien ce que j'ai dit. Je vais supprimer cette foutue salle de bain. Ou alors, on supprimera ce mur-là. Comme ça, la pièce sera plus longue. Et ça, c'est quoi, ça? Ah oui, c'est mon Kajibi. Que j'avais tout rangé. On grignotera un peu sur le Kajibi. Ce qui fait que là, ça va aller tout droit. Donc, on perdra juste un petit peu de place. C'est pas gênant. Et par contre, du coup, c'est vrai que c'est un peu dommage que ça soit pas aligné, là. C'est pas grave, il y aura un petit rebord. Mais en tout cas, on pourra mettre le billard, les fléchettes, le frigo pour les bières. Et on peindra cette salle aux petits oignons pour que ça soit clean. Et on enlèvera cette moquette dégueulasse. Ah, c'est un tapis, d'ailleurs. Salut, le tapis. Donc, future salle de jeu. D'ailleurs, il me restait des revêtements de sol, moi. Je peux déjà la peindre. On peut déjà la peindre. On l'a fait en quoi? Essayons noir. Noir, mais pas tout noir. Sinon, il n'y a plus d'espoir. Hop. Je mettrai plein de posters geek et tout. Ça va être trop classe, cette pièce. Bon, quand le mec ne fait plus de train électrique, il fait toujours pas de mission. Je sais, vous avez compris. Mais c'est pas grave. C'est ma partie, je fais ce que je veux. Ça fait une autre gueule déjà. Hein. C'est quand que j'aurai plus de peinture là, parce que mine de rien, avec la nouvelle amélioration, c'est long. Hein. Ah, faut surtout pas lâcher la visée. Sinon c'est foutu. Bon attends, là faut pas abuser non plus. On va en remettre tout de suite. Là, arrière-grand-mamie, elle se retourne dans sa tombe. Hein. Avec ce que je suis en train de faire de sa chambre avec Jean-René. Elle doit pas aimer du tout, là. Surtout vu la débauche qu'il va y avoir ici. Genre, tu peux pas aller plus loin? Tu te moques de moi? C'est vrai que vu l'endroit où était la chambre, c'est ici que j'aurais pu mettre la maquette géante de train électrique. Ça aurait fait un clin d'œil à Beetlejuice, mais bon, c'est pas grave. Pour la peine, ici, je dessinerai une porte quand même sur le mur. Pour faire le clin d'œil.
Oh, j'en ai été sûr, putain. Juste à la fin, quoi. Pour ça. Le gris, c'est ça. Ça a l'air d'être ça. C'est blanc ou gris, ça? Je crois que c'est gris. Oui, c'est gris. Ah, je crois. Ouais, c'est bon. Hein, je l'ai déjà dit hein, dans les épisodes précédents, j'ai des gros problèmes avec les couleurs, moi. Vous pourrez soit résumer ça en disant « je suis teuteux », mais non, c'est pas ça. C'est un vrai problème médical, c'est important. Je sais pas. La grille, ok. Il me restait des revêtements de sol, sauf que je vais clairement pas mettre celui-là de sol, parce que il est déjà là, donc ça sert à me le refaire. Dès que je peux, je pète le mur, et du coup, ben, je peux vendre directement tous ces trucs-là. Parce que ça appartenait aussi à grand-mamie et Jean-René. Donc on s'en fout. Je garde quelques cartons, comme j'avais dit, pour le côté RP. Ça dégage. Et la porte peut dégager déjà d'avance, parce que de toute façon, on n'en aura plus besoin après. J'ai hâte de débloquer le marteau, hein, pour virer tout ça, là. Ouais. Les fléchettes, je sais que j'ai vu un truc de fléchettes, je suis pas fou. J'en ai vu un. Hein. Je crois. Hein. Non, j'ai peut-être vu ça. Mais... Déjà, il y aura des enceintes, c'est sûr. Il y a un truc pour faire de la muscu. Il y en aura aussi. Épingle de couture, non. Il n'y a pas de jeu de fléchettes. Moi qui me faisais des films avec des jeux de fléchettes, je l'ai dans l'os. Au pire, on fera du golf. Je dessinerai un faux parcours par terre. Ça sera un mini-golf en haut. Avec un billard, bien sûr. Tout sera question... Enfin, tout sera autour des trous, quoi. La base. Mais le truc de muscu, oui, ça, on peut le faire. Hein. Et on peut le mettre là. Il était fait pour ça. Clairement, il a été fait pour ça. Toi. À côté... Ça sera une salle de sport et de billard. Et oui, la couleur ici changera, vous inquiétez pas. Là, c'est dégueulasse, je sais. Cette baraque à ce rythme-là, en fait, c'est celle que je vais vouloir avoir en vrai. Une fois que j'aurai bien sûr modifié ce côté dégueulasse. D'ailleurs, attendez. Au moins on fasse ça avant parce que c'est franchement dégueulasse. Je sais que j'ai peint ce côté-là pour rien puisque ça va être pété, mais j'avais envie de le faire. C'est pour le prix de la peinture, franchement ça va. Trop pratique de pas avoir besoin de démonter un radiateur. Oh là là. Surtout le radiateur comme ça. Encore quand c'est un électrique, ça va, mais là... Ça se trouve, ça va pas rester en gris au milieu, là. Parce que ça ressort pas assez. Je ferai un truc de la même couleur que le sol, tiens. On va faire ça. Ça fera mieux. Là, c'est trop proche. Ici, il y aura des petits spots au plafond. Ça va être magique. Et là, vous voyez, j'ai pas eu à acheter de peinture. C'est tous les stocks de peinture qui restaient. Donc, mine de rien, même si c'est pas la bonne couleur ou que ça restera pas comme ça, on s'en fout. C'était économique. Ah! Comme par hasard, encore à la fin.
On peut prendre de l'avance, hein. Non. Oh, le papier peint ici, il est dégueulasse. Je sais pas trop si je suis allé jusqu'au bout. Normalement, oui. Je dis bien normalement. Ouais, noir et blanc, ça fait vraiment space. Hein. Mais bon, pas grave. Je sais pas si le jeu prend en compte le fait qu'on passe par exemple 10 fois sur le même truc, si ça gâche de la peinture ou pas. Ça m'étonnerait, mais bon. Ce serait réaliste, mais ça m'étonnerait. À court de peinture. Non? Ça va être à court de peinture avant de finir ça. Non, c'est bon. Ah! Qu'est-ce que j'ai fait, vous? Je sais, j'ai toujours pas fait la mission. Je vais la faire juste après ça. Par respect pour grand-mamie et Jean-René, je suis obligé de finir, quoi. Sinon, ils vont me dire que je me fous de leur gueule. Non, ça, pas en noir. Je le ferai en blanc. Ou dans la couleur qui sera choisie pour plus tard. N'importe quoi. Voilà, c'est mieux. C'est vrai qu'en plus, ça me fait améliorer en XP. Donc, hey, vous voyez, c'est utile quand même de faire ce genre de bêtises. Non. Et s'ils nous ont mis une grande maison comme ça, c'est pas pour rien. Hein. C'est pour qu'on s'éclate. Et qu'on puisse farmer l'XP sans problème. Bon, toi, tu me stresses. Puis, tout à l'heure, je passe devant. Voilà. Tu me stresses plus. C'est plus dur quand c'est les petits espaces. Hein. C'est bien connu, mais... Je parle pas de peinture, mais oui. Sans panne d'interrupteur, un vrai pro. En attendant, hein, que je casse le mur, ça sera au moins peint. Ah, j'ai plus de peinture blanche. Je suis dans le caca. Heureusement qu'on peut copier la couleur avec le pinceau pour savoir laquelle on avait mis, sinon on serait bien emmerdé. Ok. Bon, au moins c'est uniforme, c'est dégueulasse mais c'est uniforme. De ma gueule. Pourquoi il a fait ça? Il est fou lui. Il m'a tout foutu en l'air. Fait chier. Et du coup le blanc que j'avais encore sur le pinceau là c'est poubelle quoi. J'imagine. Je
Je rêve. Mais quel con! Voilà, on se casse. Ah, on peut pas la rater cette pièce-là. Hein. Mais ça va être bien quand elle sera finie. Enfin, j'espère. Sinon, on recommencera tout, c'est pas grave. D'ailleurs, ça fait combien de temps que je joue, là? Peut-être que je surveille l'heure, quand même. Hein. Je fais une mission rapide, mais pas trop... Après, on arrête. Hein. Nous nous agrandissons. Oula. Utiliser nos casques de VR. Ah oui, mais ça, alors, ça c'était tentant aussi. Espace pour les nouveaux employés. Petit studio de jeux vidéo. Non, mais je suis obligé. Je suis obligé. J'espère que c'est pas un truc qui va durer 2 heures, quoi. D'accord. C'est ici. Pourquoi pas. Donc là, c'est juste de l'équipement qu'ils veulent, en fait. Et bien sûr, du nettoyage, comme d'habitude, vu que je suis leur larbin. Volcano District. C'est le nom de leur prochain jeu, c'est un petit clin d'œil ou quoi? Oh là, que c'est désagréable de voir ça. Merci. Et c'est Quake? C'est Quake Arena? Enfin, un truc du genre. Le mec sait pas jouer. Ah oui, avec la fameuse PS7 là. Floor is lava. Ah, c'est un DLC à eux, ça. Ouais. Bon. Faut faire quoi avec tout ça? Faut le vendre? Non, j'ai pas le droit. J'ai le droit de jouer. Non! En facile, on va pas non plus... On a le droit de tester le casque VR. Excellent! Les... Oh, ils sont graves. Ah! Putain, j'avais pas vu le trou. Je fais tout dans le noir, moi. Comment ça, il y a un temps? Comment ça, il y a un temps? Il m'a stressé d'un coup avec son histoire de temps, là. Tu crois que tu vas m'avoir? Je suis né avec ces jeux vidéo-là, moi. Bon, là, je suis un peu plus en stress. Ah, parce qu'en plus, il y a un... Oh, putain. Ah! Ah! Vous savez ce que c'est, les checkpoints? Bah, faites-le plus près la prochaine fois. J'imagine qu'il y a un succès si on finit ça. En fait, c'est... Only up, quoi. Oh! Ouais, désolé, fallait que j'utilise. Là, j'ai fini le jeu? Ah non. Oh non, mais sérieusement! Oh, la machine! Comment ça, il y a 2 tours? Vous me faites chier? Non, j'étais à la fin! Et tiens, dans tes dents! Ah non, mais je veux pas recommencer, casse-toi! J'ai fini! En 1 minute 5, c'est... ouais, c'est nul. Putain. Allez, salut. Ah, j'ai même pas eu de succès sur moi parce que je l'ai fait en plus d'une minute. Fais chier! Fais chier, fais chier! Mais c'est marrant d'avoir fait ça. Ouais, bah je vois mieux que lui, moi. Ok. Bon, on se remet au boulot, là, parce qu'il faut arrêter les conneries, quand même. En fait, faut juste nettoyer, hein. Lire. Non, on s'en fout. Ouais, y a rien à vendre, ici. C'est juste du ménage, quoi. On va éteindre la télé, parce que ça fait ramer le jeu. J'ai perdu plein d'FPS, on sait pas pourquoi, là. Ils aiment la pizza, hein, ça c'est sûr. Non, ça on peut pas, ok. Ça non plus. Vous êtes des gros dégueulasses. Vous faites des bons jeux, mais vous êtes des gros dégueulasses quand même. C'est crado de ouf partout. C'est n'importe quoi. Des Pringles partout. Oh là 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 là. Ah non, c'est des chipsters. Y a encore un truc à aspirer ou pas? Ah bah oui. Pendant que j'y suis, je l'ai dans les mains. Oh là là, ils ont même écrit sur les bureaux. Non mais vous êtes vraiment des porcs, c'est un truc de ouf. Vous avez invité vos gosses ou quoi à une soirée? Merde, il y a encore un étage en plus. Bon, les chiottes, j'imagine même pas le résultat. Ah si, au moins, là, ouais, voilà. En même temps, les chiottes sont propres, ils ont chié dans les bureaux. Donc c'est sûr que du coup, bah, ça peut rester propre, en fait. Hein.
Tiens. Et tiens, le casque vert, il est mort. Là, je t'ai mis du pec citron dessus, moi. Et je vais devoir débarrasser la table, vu que c'est un toc pour moi. Je peux pas laisser ça comme ça. Putain, fais chier. Je vais tout mettre dans l'évier. Il y en a un qui a renversé son café. Allez, rame cette zone-là. J'ai perdu 15 FPS juste parce que je suis ici, en fait. Bim, le pchit sur la pizza, boum. Comme ça, moi. Vous rangez pas, tant pis pour vous. Ça a aspiré, c'est quoi, ça? Des filaments de je sais pas. C'est de la fibre optique. Bon, au moins, il n'y a rien sur les plafonds, etc. Ils n'ont pas chié au plafond, c'est déjà ça. Ils en sont capables. Ce genre de loustique-là, je les connais. Je les pratique depuis le début du jeu. La bande des gros crados. Ah bah c'est les insectozoïdes que j'ai mis tout à l'heure dans mon train électrique. Ils sont fans des mêmes trucs que moi. Ça se vend pas, ça jette. D'accord, hop, poubelle. Par contre la mission n'avance pas du tout. Alors je sais pas ce qui m'attend à l'étage, mais ça va être chaud à mon avis. Quel est le problème ici par exemple? Absolument rien. Ici. Absolument rien. Donc, le seul truc qui reste à faire, c'est ce que j'ai dit que je ferais, c'est-à-dire débarrasser. Parce que ça, je déteste. Pardon. Dommage qu'on puisse pas les empiler correctement. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, c'est fait. Ils ont fait exprès d'éparpiller les trucs parce qu'ils savaient très bien qu'il y en a, ils savaient tellement maniaque qu'ils le feraient. C'est-à-dire moi. Je peux empiler les chips? On peut pas empiler les chips? Ça par contre, je suis pas d'accord. On peut toujours empiler des chips. Rangement de chips tout propre. Toi, casse-toi. Je vous prépare votre lecture, regardez. C'est notre prochain projet. Il va faire un malheur. Si j'arrive à le poser. Même un siège comme ça, je peux pas l'avoir, moi, en vrai. Eux, ils en ont plusieurs. C'est n'importe quoi pour une salle de repos. Bande de petites enfoirées. Voilà. C'est prêt pour la prochaine réunion. Ça, je le fous dans ma poche. Non, on va pas faire ça. C'est pas bien. C'est pas professionnel. Ah bah ouais. Ok. Toi, t'es sale. Donc, comme t'es sale, tu vas là. Tu voles, même. Il n'y a pas de couvert cette fois-ci, non, c'est bon. Toi, s'il te plaît. Voilà, merci. On est pas mal là. Il y a quoi à bouffer au frigo? Absolument rien. Voilà, il bouffe que de la pizza. Vous êtes une bande de cassos. Les canettes. Ça va au frais. Elles sont vides. J'ai pas vu. C'est peut-être une collection. Attends. Non, elles sont pas vides. Donc ça va au frais, c'est ce que je dis. Comme la dernière fois quand j'ai mis les tomates, c'est pareil. Il y avait deux tomates qui traînaient dans la zone de jeu, et ben je l'ai mis au frigo. Parce que moi je suis comme ça. Il n'y a rien dans le micro-ondes? Non, ils auraient dû mettre des déchets dans le micro-ondes, ça aurait été marrant. Bon, on se casse. Maintenant on va rigoler. Qu'est-ce qui m'attend là-haut? Et comme je dis, il chie dans les bureaux, donc il chie pas dans les toilettes, du coup c'est propre. Bah, ferme-toi! Ah. Ah ouais, c'est une belle zone verte. D'accord. Ça se vend pas. Ça se vend pas, mais ça peut encore s'essayer. Ah oui, je l'ai celle-là. Moi, j'ai eu peur. Ok. Même le PC gaming qu'ils ont est mieux que le mien. N'importe quoi. Encore une assiette à descendre en bas, allez! Et un petit coup sur le casque. Je m'y retrouve plus. Ah oui, voilà. C'est bien connu, tu mets du produit sur un tapis comme ça, un fond vert, c'est évident que ça va bien fonctionner.
Point d'amélioration. Très bien, merci. En même temps, je travaille tellement bien. Et tiens, on va leur pourrir leur fond vert. Et on va coller ça en plein milieu. Comme ça, quand ils seront en live, ça sera dégueulasse. Enfin, c'est pas pour un live, hein. Je pense que là, c'est juste pour intégrer un décor. Tiens, allez, hop. Voilà, je te mets là, toi. Les salauds, ils ont fait exprès de mettre ça comme ça, putain. Ah, ça m'énerve. Vous faites exprès, vous voulez jouer avec mes nerfs, là. C'est impossible que je laisse une partie comme ça, je peux pas... Par contre, j'ai pas une seule étoile pour l'instant, donc à mon avis, il y a encore 6 étages au-dessus. Et là, il va y avoir un feutre sans bouchon, donc je pense que je vais le foutre à la poubelle. Si j'ai pas le bouchon, je vais vriller. Ah ouais, je vais vriller, faut que je le cache. Je veux pas le voir. Voilà, comme ça, quand je rentre dans la pièce, je le vois pas. Toi. Quand tu veux, tu te mets droit. Ouais, voilà, merci. L'autre. Il y va aussi. C'est pas du casque de merde, ça. Hein. C'est pas de l'Oculus Quest 2. Hein. Oh! Une petite PS Vita de chez Wish. Dropshipping. L'assiette, tu dégages. Merde, je t'avais oublié, toi. Hop. 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 Et hop. Et si je prends celle du dessous, ça peut pas marcher. Et je l'ai dans le... Tant pis. Scan. Pourquoi le scan ne marche pas? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Tant pis. Mip, mop, mip. Mais qu'est-ce que ça vous coûte, bordel? Quand moi j'aménage et que je le mets de travers volontairement, c'est pas pareil. Mais vous, ça vous coûte quoi? Vous avez un siège à 800€ et vous le rangez pas correctement. Putain. Vous me faites chier. Vous allez tous vous faire virer, moi je vous le dis. Hein. Avec vos jeux à la Daft Punk, là. Bon. Voilà, au moins j'ai pu prendre la tasse avec. Je descends déjà ça. Hein. Cuisine à droite. Non, c'était pas là. Attends, je suis où là? Ah oui, c'est le premier bureau que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai pas rangé les sièges. Donc en fait, je suis un faux maniaque. Toi, tu dégages. Là. Non, bah tu vas là alors. J'avais même pas rangé les revues. En fait, plus j'avance dans cette game là. Et plus je deviens maniaque alors. Tu vas te mettre ici. Toi tu te mets droit. Le casque, je veux pas toucher parce que voilà. Il est peut-être ici le bouchon qui manque là-haut. Les connaissants. Voilà. Je veux la même télé au passage. Ça aura quand même une autre gueule. Hein. Même si c'était pas non plus trop dégueulasse quand même, mais voilà. Par contre, j'ai toujours pas d'étoile et ça, ça m'inquiète. Ça, ça m'inquiète beaucoup. Je peux poser la cuillère dessus. Non ! Non, pas ça ! Putain de... Dégage, toi ! Si tu te remets pas dessus... Heureusement que tout tombe pas par terre quand on fait ça, parce que putain, tout ça pour une cuillère en plus. Mais pose-toi, c'est quoi ton problème? Voilà, tu me fais chier. Toi tu vas pas vouloir aller dessus, donc je t'emmène à la main. Ça va en faire de la vaisselle pour la personne qui le fera. Petit message au passage, faites un simulateur de vaisselle. Croyez-moi, ça va marcher, c'est sûr. Si je la marche, le simulateur de vaisselle fonctionnera. On mettrait ma main à couper. Pose-toi. Bon merde. Les cuillères dans l'évier. Voilà. Toi, tu dégages. Il y a tellement de tasses que j'ai pas le choix de m'éparpiller là. Ce que je déteste faire en vrai. Mais bon, j'ai pas le choix. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. J'ai vu un casque audio là-bas. Il est trop beau. En or. C'est pas en or, c'est vert. Mais c'est pareil, on se comprend. Encore une assiette, allez.
Et tout ça, ça compte pas dans le jeu. Hein. Ça me fait pas de points. Hein. Donc c'est normal aussi que je monte pas pour l'instant, mais... D'ailleurs, c'est que du zèle, ça. Là, mes deux petites vacheries en post-it, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Voilà. Comme chez le médecin. Je t'avais oublié, toi. 50 allers-retours juste pour ranger des assiettes. Non, c'est pas dans les chiottes. Je vais m'y retrouver. Je plains le mec qui fait la vaisselle, hein, vraiment. Oh putain. Donc c'est bien ça, faut agrandir l'espace en haut. Mais c'est un beau gros tas de merde! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ils sont sérieux? Eh moi je voulais bien la prendre la tour, faut pas l'acheter. Oh là 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 là, je vais faire au moins 50 sacs poubelles ici. Ah ouais, c'est ça, je vais faire 50 sacs poubelles. Putain. Je sens que leur colis Amazon, là, il y a v'là le matos dedans. Rassurez-moi, je peux ouvrir la fenêtre pour balancer les sacs par la fenêtre ou pas? Parce que là, les allers-retours, ça va me gonfler rapidement. Oh bordel. Ah. Comment se faire humilier en deux leçons. Je sais, elle n'est pas ouverte. Je vous rassure. C'est juste que je les prépare. Cette zone RAM, j'aime pas. J'aime pas du tout. Ça me vexe par rapport à mon PC, donc j'aime pas ça. Je déteste quand un jeu RAM. Le mec il gère trop bien les déchets quoi. Viens casse-toi. Casse-toi. Et casse-toi. Ah oui ça rame trop. Je dois être à 15 FPS. C'est abusé. Vous voulez me faire comprendre que j'ai un PC de merde c'est ça? Et ben je vous crotte moi. Voilà. Je fais le ménage chez vous, donc faites pas chier. Du coup, c'est bon. Il faut... ouais, faut juste installer le matos. Alors, faut acheter du matos et en plus installer leur connerie, là. C'est quoi, des figurines? Ah, ça m'aurait étonné, tiens. Ça m'aurait étonné. On peut le remettre dedans ou pas? Oui, on peut le remettre dedans. Toi, tu vas te mettre pile là où je sais que je mettrai pas de meubles. Si tu veux bien, hein, je veux pas te forcer, mais... Voilà, merci. C'est parti! 4 bureaux, 4 machins, là, 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 là. Non, mais je rêve. Putain. Bon, déjà, on travaille mieux quand on est avec une fenêtre. Donc, vos bureaux vont être posés comme ça. Parce que j'ai envie. Et pour le coup, vous n'êtes pas là, donc je fais ce que je veux. T'es au bout? Ouais, t'es au bout. On fera les couleurs après. Hein. Parce que je suis gentil et je vais même descendre pour copier les couleurs de vos bureaux du bas. Parce que je suis un mec bien, moi. On a les 4 bureaux. Il nous faut les sièges à 800 balles. J'étais gentil. En fait, c'est 1793 balles le siège. Mais c'est normal. C'est normal. Bande de salauds. Voilà. Comme ça, vous aurez un beau faux jour sur votre écran. Ça va bien vous faire chier. Mais au moins, vous aurez le moral. Voilà. J'aurais pu normalement décaler les sièges gauche-droite comme ça pour que ça soit pas gênant pour vous. Mais j'en ai rien à secouer parce que vous aurez un meilleur matos que moi, donc je m'en fous. Écran d'ordinateur. Alors vous, vous aurez pas de salle pour tester votre VR. En écran vert et tout. Ça c'est pas cool, je vais vous le faire moi. Ça sera offert par la maison. Je vais vous faire un mur vert. Vous allez kiffer. Bon, vos écrans sont pourris, je préfère le mien. Mais par contre pour le siège, je demande pas mieux. Ainsi que pour votre casque. Ok? 4 écrans.
Encore 4? Attends, je comprends pas. Mais, pourquoi foutre? Ah ouais, c'est en mode, je me la raconte, c'est multi-écran, c'est ça? Vous êtes des trous du cul. Je vous l'annonce, des trous du cul. Ça y est, on fait du gaming, donc machin, il nous faut 4 écrans, enfin 2 écrans chacun. Que sinon, on n'est pas bien. Donc du coup, je vais devoir remanier tous mes positionnements parce que là, ça va pas et que ça m'énerve. Au moins ici, il n'y aura pas de vaisselle à ramasser. Voilà, donc t'en auras un comme ça. Et un comme ça t'auras moins faux jour. Et ma vacherie tombe à l'eau, c'est pas grave. Non, c'est pas bon ça. C'est dégueulasse. C'est totalement dégueulasse. Donc on va faire comme ça plutôt. Ouais, on s'en fout. Et celui-là, je te le mets en plein faux jour. Bam! Tiens, vas-y, regarde quelque chose là. Et pour la peine, vous le gardez comme ça, parce que c'est moi qui décide. Pas de clavier, pas de souris. Ah si, quand même. D'accord. Et je vous préviens, vous serez tous droitiers. Ne me faites pas chier, si c'est pas bon, tant pis pour vous. Toi, je te l'aurais bien mis à l'envers, tiens. Ouais, je suis jaloux. Et alors? J'ai le droit, non? Un petit peu, quand même. Déjà, je vais leur faire un écran vert, là, c'est bon. J'ai toujours pas d'étoile, hein. C'est chaud. Pourtant, j'ai déjà fait plein de trucs, là. Il y a encore un étage mystérieux, ou quoi? Oh, mais non, putain, merde. J'ai pas regardé. Ah non, c'est bon. Je croyais qu'il y avait de la peinture. J'ai dit, putain, je suis dans la merde. Les posters, on s'en fout. Les tours. C'est bien 4, hein. Ouais, c'est ça. C'est jamais. Avec eux, on sait jamais. Ces crétins, là. Ça m'embête un peu. Est-ce qu'on peut le mettre en dessous? Oui, on peut le mettre en dessous. Bien sûr, sans alimentation. Parce qu'il n'y a pas besoin. Oh là là, calme-toi. Mais tu peux me laisser le mettre dedans, là? Comment ça, tu veux pas? D'où tu veux pas? Ah! Mais, putain, c'est pas vrai. Oh merde, lui. J'aurais même pu agencer autrement et mettre la tour au-dessus du bureau pour qu'elle soit pas à la poussière. Et comme c'est pas la mienne, je m'en tape. Écran. Un téléviseur Daniel. Ok. Plafonnier. J'ai pas regardé le nombre. Il en faut 2. Donc j'imagine que c'est les plafonniers pour ici. Est-ce que ça peut se fixer sur un mur comme ça? Ça n'a pas l'air du tout. Donc ça peut être posé comment? À plat comme ça, d'accord. Bah écoutez, ça sera là. C'est un plafonnier qui se mettra au mur tout en bas. Non, j'imagine que c'est pour ici. Mais il n'y en a que 2. Donc s'il n'y en a que 2, ils font comment les autres? Ils se démerdent, c'est ça? Bah, ça sera là. Et là. Ok. Et du coup, j'imagine que... Bah oui, logique. Et ça y est, je peux casser des murs. Bah c'est pas si dégueulasse que ça, en fait. Je m'attendais à pire. Et je peux péter des murs, donc je suis content. Alors ça veut dire que je vais devoir péter des murs ici aussi. Me dites pas ça, hein, parce que là, péter un toit, c'est dur pour commencer avec un toit quand même. Je vous fais leur fond vert, hein. Comme j'avais promis, je fais un fond vert. Peinture. Peinture, j'ai dit. Pas éclairage, peinture. C'est là-dedans. Ça là-dedans. Peinture. Vert. Vert chaud, non. On se fait chier. On va aller cloner. L'autre. Il est où? C'est au-dessus. C'est là. Non, ça c'est les chiottes. On va y arriver. C'est là. Hop. On achète. Vous allez avoir le même fond vert en haut, moi je vous le dis. Pas de jaloux. Alors, c'est parti. Ça peut marcher sur le sol? Ah oui, ça marche. Je sais, c'était pas du tout prévu, mais j'avais envie. Comme ça, ils auront le même fond vert. Quand ils joueront à Beat Saber, ils seront bien contents. Ils me remercieront.
Non, s'il suffisait simplement de faire ça pour faire un fond vert. En fait, oui, il suffit simplement de faire ça pour faire un fond vert. Il faut juste peindre correctement. Et je pourrais avoir un fond vert, mais parfait, derrière moi. Sauf qu'il faudrait que je vire les meubles, tous les bibelots. Et tous ceux qui viendront regarder mon écran quand je joue seront obligés de se peindre en vert. Donc ça serait quand même, à mon avis, compliqué à négocier avec eux. Au pire, s'ils n'ont pas compris que c'était pour la réalité virtuelle, ils n'auront qu'à faire un golf. Tu veux aller jusqu'au bout? Merci. J'ai encore oublié. C'est quoi que j'ai gagné là? Encore une histoire de déchets. Prenez tout ce que vous pouvez. Ça, oui, je prends. Ça, c'est quoi? Vaporiseur de haut niveau. Oh, genre, tu peux vaporiser plusieurs trucs à l'avance, c'est ça? Nettoyage rapide. Non, j'aime pas quand c'est trop rapide. Ça me stresse. Ouais, mais faut quand même le faire un minimum une fois. Ouais. Ok. Et donc, ça, c'est le fameux truc plus large. J'ai pas le choix, d'accord. Enfin, j'ai débloqué plein de trucs en un coup, là. Donc là, je peux changer la taille. Oh! Qu'est-ce que c'est que cette taille? Oh ouais. Ouais. Enfin, ça le fait, mais à l'arrache, en fait. La merde, leur grand pinceau géant, là. C'est des trucs chelous. Il est con. Plus compliqué de sélectionner avec ce grand pinceau géant. Ça sera un fond vert, mais pour les nains. Hein, parce que du coup, c'est petit quand même. Faut peut-être que je fasse quand même le triangle au-dessus. Bon, par contre, ouais, j'aime pas du tout la taille. Vous avez un mini fond vert. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Bon, on va quand même essayer de le faire un peu plus grand. Changer la taille. Et la taille, je supporte pas leur truc là. C'est de la merdasse. Je peux peindre ça ou c'est comment? Pourquoi il veut pas que je peigne? Ça, c'est le toit bien foireux que si t'as envie de le faire dans le jeu, moi, tu te fais chier, mais comme c'est pas permis. Bon, bah, ça sera un terrain de golf et vous me faites pas chier, et puis c'est tout. Non, pas copier le style. Casse-toi, toi. Alors, c'est parti. Un casque VR. Vous avez pas de meubles, rien? J'ai peut-être oublié d'acheter des trucs, en fait. Oui, bah oui. Clairement. Canapé, il sera là. Voilà. La télé. Elle ne sera pas là parce que c'est un fond vert. Et que je peux pas la mettre inclinée. Donc elle sera là. Parce que je suis un pourri. Ouais. Et ça va changer mon. Non, j'ai pas envie de déstabiliser mon fond vert. Donc la télé, elle sera là. Et s'ils sont pas contents, c'est la même chose, encore une fois, comme d'hab. Il n'y a pas de table basse. Non. Et comment je vais mettre mes casques VR bien rangés, moi? Il y avait combien de pots de fleurs? Deux. D'accord. Deux pots de fleurs. Il n'y a pas de problème. Un là. Et un là. Voilà. Les fleurs qui vont avec. Donc deux aussi. Hop. Hop. Là, c'est pile devant son écran. Faut pas exagérer non plus. Ensuite, il faut deux meubles comme ça. On va y arriver. On va y arriver. Et là, du coup, ça fout la merde. D'accord. Bah, tiens, vous savez quoi? Les deux plantes seront au même endroit. J'en ai rien à faire. Pour l'instant. Toi, tu vas à côté de ton copain. Il me faut... Ah, le casque VR est dedans, oui, c'est vrai. Étagère, cutler. Combien c'était? 3. D'accord. 3 étagères, pas de problème. Une là. Une là. Et une ici. Ça fait très exigu quand même. Hein. Le plafond est pas très haut, donc en même temps c'est pas de ma faute. Ils veulent mettre plein de trucs, mais il n'y a pas la place. Qui m'emmerde pas.
c'est tant pis pour eux. Bien sûr, pour que ça soit comptabilisé, il faut que je les mette dans cette pièce-là, j'imagine, les posters. Ah tiens, ça sera comme ça, même si c'est mon fond vert qui tombe à l'eau, c'est pas grave. Il est trop grand, c'est quoi le problème? Ah non, j'étais trop loin, d'accord. Et là, en fait, j'aurais dû faire un sol jaune pour faire genre c'est la lave. Ça, ils auraient pu faire du RP. Ça aurait été drôle. Encore deux meubles comme... Oh là là, putain. Vous me faites chier. Je déteste ce bureau, il est dégueulasse. Je voulais faire un truc bien et en fin de compte, il y a tellement de trucs que c'est le bordel. Mais j'ai plus une thune. 3444. Oh, c'est moi qui ai payé de ma poche pour toutes ces conneries, là. Oh, putain. Heureusement que j'ai fait mon train électrique avant. Ils sont sérieux, là. C'est moi qui ai payé pour leur merde. Oh, non. J'espère que je vais gagner plein de fric après, quoi. J'ai plus une thune. Ah bah je vais pas acheter un pot de peinture pour vous le faire en jaune le sol, hein, c'est mort. Hein. Je vous le dis. Démerdez-vous. Plus jamais je reviens dans vos locaux. Bon, toi par contre tu ranges ça bien s'il te plaît. Mais plus jamais je reviens. Plus jamais. On se casse. Combien ça me rapporte? 10 000 c'est tout? Oh là là, putain. C'est chier. J'ai plus une thune. Débloquer tous les outils en mode histoire, ouais bah c'est bien, je m'en fous, mais là j'ai plus une thune moi. Donc maintenant je vais avoir des missions où je pète des murs, c'est ça? Bah ça sera pour la prochaine fois. Oh les boules. Oh putain, j'ai plus de fric. Attends, je comprends pas. Pourquoi j'ai à nouveau du fric? C'était le budget pour la mission, alors c'était pas mon argent. Ouh. Bon, ça va. Mais quand même, je m'énerve pas pour rien, moi. Donc, quand même. Toi, tu vas dégager ta race. Faut pas que je me gourre, quand même. Ah, bah, c'est un gros tas de merde à évacuer, ça, ou ça se fait tout seul? Je sais pas. Où c'est tes poils de cul? Ah, faut faire attention quand on tape, parce que si on lâche trop tard, ça pète plus large. Ouais, faut vraiment faire attention. Hein. Ce jeu, c'est incroyable qu'on puisse faire ça. Tout péter comme ça. Et voilà, ça tient comme par magie, je vais le laisser exprès, ça. Ouais, d'ailleurs, je peux te péter, toi, peut-être. Ça fera un... moins choquant. Et bim. Et c'est vrai qu'on a plus de blanc, putain. Voilà. Bon, on avait dit qu'on ferait peut-être sur la pièce aussi ici, mais ouais, si, y a pas le choix en fait. On va devoir grignoter dessus. Ça dégage. Comme ça, ça me permettra de construire un mur. Je verrai comment on fait. Je fous un merdier pas possible. Sans avoir vidé la pièce derrière, je m'en fous. Et oui, un point d'ex... Attends, tu crois quoi? Heureusement que j'ai un point de récompense. Je suis en train de tout péter ma baraque, là. J'égalise les bords avant. Comment on casse les petits bouts comme ça? Comme ça? Ouais, ok. Comme ça, je vais pouvoir me lâcher au milieu. Et là, attention. Non. Parce que j'ai débloqué un truc. Je peux peut-être faire des coups encore plus puissants. Big Bang. Ouais, c'est ça. J'ai bien fait de le faire avant. Attention, Big Bang.
Théorie. Oh, j'ai créé une fenêtre. Salut toi. C'était peut-être le portrait le plus important de la maison, mais je m'en fous. Non, on les laisse pas, ça fait bizarre. Voilà. Donc. Eh ben, je suis très content d'avoir débloqué le marteau. Pas la masse. Calme-toi, 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 ça va bien se passer. Ça, c'est important, parce que comme on va faire du sport, on va puer le fennec ici. Donc on le met là. Une petite plante, parce que voilà, on n'est pas des sauvages. Et du coup, ce pan de mur, je l'ai dans l'os, je suis obligé de le garder, parce que c'est la maison qui est conçue comme ça. Ok. Donc, toi, tu dégages. C'est les restes de cuisine. Toi, je te gardais. Donc, tu restes là, mais tu te caches, parce que t'es moche. Et donc là, maintenant, c'est un mur qu'il faut mettre. Bah quoi, c'est quoi ton problème? Je veux monter, maintenant. Ah, voilà, ok. Pourquoi tu veux pas aller jusqu'en haut? J'ai pas assez de sous. Ah, j'allais trop, d'accord. Et après, je fais comment? C'est magique. C'est juste magique. C'est trop bien! C'est très lent, mais c'est trop bien. Et c'est gratuit. Il n'y a même pas besoin d'acheter de parpaing. Bon, ça, c'est un peu dommage, par contre. Ils auraient dû nous faire payer les briques. Ah si, ça coûte de l'argent, mais j'ai pas besoin de les acheter avant, c'est ça que je veux dire. Comme quand on prend le carrelage, etc. Par contre, il est grand, le gars. Hein. Il arrive à faire ça sans regarder ce qu'il fait, il est trop fort. Vous savez quoi? On va se faire une petite ouverture. Pas pour mettre une fenêtre, mais en quelque sorte, en fait. Et voilà, on a créé notre premier mur. Je suis trop fier de moi. Il est moche parce qu'il est pas peint, mais c'est bien. On va se faire une ouverture classe, donc j'ai mis des parpaings pour rien, mais c'est pas grave. Du coup, c'est vrai que je les perds, donc j'ai dépensé pour rien, c'est pas grave aussi. Merde, c'est pas grave. Y a rien qui est grave. L'argent, ça va, ça vient. Voilà, et là. Est-ce que je peux changer la taille? Non, je ne peux pas changer la taille, ça c'est très très con. C'est pas grave. Est-ce qu'on pète un pan en plus comme ça? Non, c'est bien là. C'est histoire d'avoir une petite vue, je mettrai une vitre. Toi, tu te fermes. Voilà. Ouais, ça fera bien. Ça éclaircit un peu. Qu'est-ce qu'on avait qui nous restait là pour peindre? Ah bah le blanc est revenu. Ah non, il est pas revenu. Pourquoi il me fait croire qu'il y en a? Trou du cul. Quel trou du cul. Celui-là aussi, je l'ai fini. Non, mais c'est pas vrai, ça. Mais chier. C'est pas perdu, de toute façon. Hein. Le noir et le blanc, ça sert tout le temps. J'aime pas hein, le gros pinceau, hein. Je préfère largement le rouleau de cette taille-là, parce que le gros, je trouve qu'il est pas assez précis, enfin, j'aime pas. Pas mon truc. Oh
on peut le dire, j'impose totalement mon style, hein. Même si même moi je sais pas ce que je fais là, parce que c'est bizarre, mais j'aime bien. Disons que ça va changer, au moins ça modernise la pièce, on peut pas dire le contraire. Hein. Voilà, c'est la merde par contre à faire là. Voilà. Et après qu'une fois qu'on a fini ça, on arrête. Hein. Pour arrêter les conneries quand même. Un barbecue à lancer. Va pas trop loin, va pas trop loin, calme-toi. Ah, c'est le bordel la souris dans les petits espaces comme ça là. J'ai l'impression qu'elle bloque alors qu'elle bloque pas. Enfin, elle bloque, mais on se comprend. Voilà. Ok. Ok. C'est vrai que ça on avait pas peint non plus. Oui, il en restait ici, c'est vrai, je sais. Peut-être que ça soit la même couleur. Oui. Non. Je sais pas. Ça a l'air. Ouais, c'est bon. Et si c'est pas la même, de toute façon, moi, je vois pas la différence. Donc, tant que moi, je le vois pas, c'est l'essentiel. Ok. Ok. Ça fait bizarre, ça. Je sais que c'est... On n'y peut rien, mais ça fait bizarre, j'aime pas. Donc, hop. Bien sûr. Tu ne m'as pas détouré la zone que je voulais. Tu es un trou de balle. Oh, on peut faire ça aussi? On reste appuyé, ça marche? Tu fous de ma gueule? J'avais pas, moi. C'est une idée ou il n'y a pas le choix, en fait? De faire comme ça? Vu que c'est mansardé. Ça fait comme dans le studio de jeux vidéo, là. J'ai pas le droit de... J'ai pas le droit de prendre la zone. Ok. C'est bizarre. C'est... Ouais, c'est bizarre. Oui, d'accord. Donc. Juste essayer. Non, j'ai débordé. Enfin, j'ai eu peur la première fois que j'avais peint dans ce jeu. Je croyais vraiment que je débordais. Je me disais putain, quelle merde. En fait, non, ça va. Voilà. Ouais, c'est peut-être mieux. Je sais pas, on verra. De toute façon, on changera sûrement après. Je suis légèrement indécis, moi. Le sol. J'ai déjà les éléments comme ça. Il me semble. C'est ce sol-là. On va l'utiliser au moins pour fignoler, histoire que ça soit pas dégueulasse. Et plus tard, on verra pour changer le sol de toute façon. Et celui-là, je vais sûrement m'y faire. C'est l'idée ou c'est pas la même couleur de mur, là? C'est pas la même couleur de mur! Oh putain! Oh putain! Oh là 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 là! Toi! Ah, pour un daltonien, ça va, je fais des progrès! J'ai réussi à reconnaître deux blancs différents. À moins que c'était peut-être du gris, mais on s'en fout. Ouais, c'était le blanc qui était dans cette pièce-là, en fait. Ok. Ou le gris, je sais pas. Mais j'ai reconnu que c'est pas la même couleur. Bah voilà. Pour la peine, vous dégagez, vous. Besoin de place, ici. La porte, j'aimerais bien l'inverser, par contre. Ça, ça me fait chier. Ça me fait chier, ça me fait chier. Je veux qu'elle s'ouvre dans l'autre sens. Même si effectivement ça sera moins pratique pour les autres portes, mais ça me gêne qu'elle s'ouvre comme ça. Donc un, voilà. Ou alors j'en mets pas en fait. Parce que clairement en fait il n'y a pas besoin de porte ici. Et du coup j'aurais pas dû vendre la peinture. Mais ça c'est un autre problème. On en reparlera plus tard. Magasin. J'ai dit magasin. Billard. Et après on arrête. Promis. Billard, pas avec 2D, ça sert à rien. Boule de billard, non, queue de billard, non, table de billard, oui. La couleur.
Il est plutôt beau comme ça en fait. Il est de quelle couleur celui de papy? C'est style bois. Bon, pour l'instant, on va mettre celui-là et je regarderai sur une vieille photo. Oh la vache, la place qu'il prend. Putain, le con. Pourrait faire un truc comme ça. Bon, il prend vachement de place. Bon, après, je vais enlever les cartons, mais j'arrive même pas à le positionner sans savoir si je vais trop loin. Là, c'est quand même. Ouais, en enlevant les cartons, ça devrait aller. Ok. Mais je les jette pas. J'ai dit que ça faisait RP. Ici, c'est le fourre-tout, donc ben, il y aura les cartons dans le fourre-tout. Hop. Je me suis fait chier. Ouais, je peux faire comme ça directement. Voilà. Ça, du coup, non. Peut-être pas à travers le mur, quand même. J'ai réussi à glitch le jeu. Ben voilà, on peut plutôt bien passer, en fait. Je pense que je peux le mettre un peu plus par là. Voilà. Ouais, faut penser au radiateur, donc qui a un peu plus de place, c'est pas grave. Je finis au moins la zone billard, hein. M'excuser. Les trucs pour le billard, le support, là, c'est où? Support pour les queues. Le support à queue, où est-il? Sinon, moi, je les mets comme ça, hein. Ouais, tiens. Allez. 3. 4 queues. Voilà. Plus tard, si je trouve le support à queue, je le mettrai. Je vous rassure. Le centre, il est là. Là. Ok. Et on va mettre des boules. Il n'y a que la boule 1. C'est ça, il n'y a que la boule 1. C'est la couleur qui va déterminer le numéro. Eh, j'en étais sûr. La 8, tu seras là toute seule. Parce que de toute façon, je ne peux pas toutes les mettre. Et comme j'ai oublié combien il y en avait normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça, non? 1. Merde, j'ai encore mis noir. Ah! Ça va me faire chier de devoir faire les boules comme ça là. C'est juste pas pratique du tout en fait. Donc la 1. Boum. La 2. Ou une autre couleur, peu importe. La blanche, ça c'est important. On va la mettre là, pour l'instant. Je pense qu'ils ont pas fait toutes les couleurs de toute façon et tous les numéros, donc on s'en fout. 10. Toc. 11. 5. 14. 4. On va y arriver. C'est bon? C'est tout? Les autres, faut les faire peut-être en faisant les couleurs nous-mêmes, je ne sais pas. Il me faut un tableau pour les scores. Un tableau pour les scores, j'ai dit. S'il te plaît. Ah, c'est comme ça chez mamie. C'est un tableau mis sur support, machin truc. Je crois. Enfin, je crois. Hein. Mais je crois qu'il y en a un de tout fait, de toute façon. Il y en a un de tout fait, mais je sais pas où il est. Tableau. Bien sûr, il y aura des enceintes ici, ça c'est évident. Tableau blanc, 100. Je ne sais pas ce que c'est ça. Pupitre, peut-être. Poutre. Non, c'est pupitre que j'ai dit, mais tu n'as pas pupitre. Donc, on va mettre autre chose. Tableau craie pour les craies. Je sais pas. Non, je verrai à l'occasion quand je trouverai. Spot. Spot. On a acheté des spots halogènes. Spot. Spot. Tu es un plafonnier. Tu n'es pas ce que je veux. Tu peux m'afficher les spots. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de spots par contre dans le jeu. Attendez à plus. On va prendre cela. En mettant une autre couleur, bien entendu, ce qui sont dégueulasses. Comme ça pour l'instant. Donc il me faut les spots au-dessus. Toi tu vas dégager. Voilà. Voilà. Et bien entendu, il fallait qu'il m'emmerde. Il ne veut pas en biais. C'est à cause de cette foutue lampe sûrement. Je vais être obligé de le mettre là. Ok, donc je vais les décaler, c'est pas grave. Parce que là ça éclaire trop. Toi, tu vas sauter ta race aussi. Un autre interrupteur pour la zone ici.
D'accord. Tu dégages. Tu dégages. Et il me faut un autre inter. Donc déjà. Retirer l'objet du groupe, non. Celui-là, il va là-dessus et là-dessus. Ok. Et il me faut l'autre interrupteur pour le coin billard. Interrupteur. C'est là-dedans. C'est ça. Installation. Interrupteur, interrupteur. Les petits boutons, j'ai dit. Là, il y a un interrupteur plus une prise. Pourquoi pas aller? Ça permettra de brancher la JBL. Hop. Et donc maintenant... Qui veut bien, hein. D'accord, c'est juste... il se fout de ma gueule, en fait. C'est pas un interrupteur. C'est l'illusion d'un interrupteur. C'est genre, tu crois que t'en es un, mais c'en est pas. Donc dégage. Tu m'énerves. Là, tu m'as saoulé. Je peux avoir un interrupteur, s'il vous plaît, bordel. Interrupteur, éthane. Ah bah celui-là, il fallait que je le prenne. Interrupteur, éthane. Bordel. Ça sera éthane. En rouge. Boum. Tu es bien un interrupteur. Oui, tu es un interrupteur. Putain. Au moins, il me fait pas faux bond, lui. Interrupteur rouge sur lampe rouge. Et j'aurais dû changer la couleur des autres, mais c'est pas grave. Et ça marche ou pas? Et bim! Magnify, ma chérie. Eh, cette pièce, elle déchire sa race. Franchement, c'est trop classe. Moi, je le dis, c'est trop classe. Si vous aimez pas, je m'en fous. Mais c'est trop classe. C'est pas trop classe? C'est trop classe. Bon, ça manque juste d'enceinte, de tableaux, enfin, de petites décos et les posters geeks, bien sûr, comme j'avais dit. Mais franchement, on est pas mal, hein. Rien là-dedans, non. Posters. Des posters. I'm here because you broke it. Déjà, une moto, ça, c'est sûr. Hop. Pourquoi tu veux pas? Si, tu veux. Fous de ma gueule ou quoi? Toi aussi, moto. Comme ça. Oh, tu me fais chier. Un truc de possession démoniaque. Voilà. Ça habille tout de suite, hein, dès qu'on commence à mettre des posters. Et ensuite, pas les posters. Je peux mettre des cailloux. On peut mettre des pierres. Là, je vais mettre une pierre. Je vais mettre une pierre. Que j'ai envie. Comme ça, on pourra dire que Pierre est en haut dans la salle de jeu. Voilà, Pierre est là. Eh ben, franchement, je suis content de moi. Je suis content de moi. Je suis hyper content. Elles sont où les grosses enceintes de bâtards? Ah, on n'est pas sur Hôtel Rénovateur, là, c'est vrai, j'avais oublié. Ah, j'avais oublié. Dans le cul. Dans le cul. Donc ça sera des enceintes comme ça, il n'y a pas le choix. Ok. Ah, pot de fleurs de merde. Je vais l'enlever après. Ou alors... Parce que de toute façon, on n'a pas besoin de quadriphonie dans une pièce comme ça. On fait simplement ça. Comme ça, celle-là, pareil. Et de toute façon, le son qu'on ne peut pas lancer dans le jeu, je crois, sera quand même dirigé vers nous tous. Et il n'y a pas de murale. Ça, c'est un truc que j'ai pas compris dans le jeu, il n'y a pas de murale. Enceinte Tyler, voilà, mais il n'y a pas de murale. Ça, c'est quoi comme enceinte? Ah bah si, il y a des murales, mais elles sont comme ça. C'est spécial. C'est quoi ce logo? Ah oui, c'est celle-là que j'avais mis. Hein. Pas être Suki. Je vais en mettre une là quand même, histoire de dire. S'il veut bien. Hein. Je crois qu'il veut m'emmerder. Non, c'est bon. Ben voilà. Ben, je suis content. Et je suis content et on va arrêter. Je vais juste regarder l'histoire des fenêtres là. Parce que bon. Ça fait des courants d'air. Fenêtres. Histoire de finir vraiment complètement la pièce. Quoi. Il me faut des fenêtres comme ça, mais en fait, il me faut une surface vitrée. Il me faut pas des fenêtres. Parce que sinon, on verra un rebord et ça va faire dégueulasse. Moi, je voulais que ça remplisse la totalité. Fenêtre abattant, fenêtre panoramique. Ça change absolument rien. C'est avec là. Non, on va pas mettre de boîte aux lettres. Habillage.
Éléments architecturaux. Matériel de construction. Ça, c'est du matos. Porte. On pourrait mettre un store, mais non. Installation. Est-ce qu'il n'y a pas le revêtement de verre? Attends, verre. Du verre. Plafond en verre. C'est quoi ça? Mur en verre. Ah ah! Petit trou du cul! Il me le fait déborder en haut là ou... Ah, il me le fait déborder en haut ce trou de balle. Il pouvait pas mettre une autre taille ce con? Ça fait trop grand ça! Bah au pire on fait comme ça. Hein. J'ai juste peur par rapport à la largeur. Attends. Le billard est fait pour ça. Hein. Si j'en mets deux côte à côte, ça va donner quoi là? D'accord, il veut pas. Ok, pourquoi il veut pas? Là tu veux. Faut que je fasse une saignée. Oh putain. Oh putain. De combien? Alors, il faut que je repeigne. Oh. J'ai pas le choix de repeindre. On va jamais y arriver à l'arrêter ce jeu en fait. On va y arriver, hein, je le promets, hein, mais là, chaque fois qu'on veut lancer un truc, ça fait de la merde. On va acheter, ouais, bah oui, du coup, tiens, sur le... Merde, non, il me l'a mis en dessous, ce con. Trou de cul! Yes! Ok. On avait mis blanc tout autour, non? D'ailleurs non, pourquoi on avait pas. Pourquoi on avait fait comme ça? Noir ici. Et blanc là. Ah oui, non, le noir, c'est le noir de l'ancienne fenêtre. Ok. Ouais, bah pour le coup, j'ai pas besoin d'acheter l'autre couleur. Ok. On va laisser en blanc. Même si ça faisait joli en noir, j'avoue. Allez, passe, bordel. Heureusement, je peux peindre malgré la fenêtre. Ok. Ok. Ouais mais je vais remettre la même fenêtre, je peux pas la dupliquer. Si, ah si, quel con. Dupliquer. Dupliquer. Non, pourquoi méchant qu'il la met pas au même endroit là. Là oui. Bon, c'est mieux que rien. Hein. C'est joli. Ça reste joli. Ok. Ah, et c'est là que je vois que j'ai foiré sur les couleurs du plafond. Putain. Là, je peux pas rester sur un truc inachevé, donc de toute façon, hein, c'est dans le cul. C'est le gris de la séparation du mur, non? J'arrive pas trop à savoir ce qui fout la merde en fait là. À part mon billard qui m'empêche de bouger. Non, c'est ça, c'était juste ça. Sinon tout est pareil là. J'ai un doute. Le doute m'habite. Franchement j'ai un gros doute là. Ah, on est beau. Ça fait un effet crépi en plus, c'est très bien. Oui, on est bon, on est bon, on est bon. C'est à cause de l'ombre avec la différence de pente. Ok. Et ça donne quoi quand on regarde d'ici? Eh, franchement, moi je dis... Ouais, c'est très beau. C'est très très beau. Et c'est paisible.
malgré des couleurs violentes comme ça, noir et blanc, là, ça reste accueillant. Bon, toi, par contre, je te mets dans... Peut-être là, plutôt. Ce sera moins chiant. Si tu veux bien, hein, je veux pas te forcer. Voilà, merci. On n'a plus qu'à rajouter quelques petits trucs de muscu, et puis on est bon. Ouais, si, c'est bon. Je verrai plus tard pour peindre ça, je sais pas comment le faire encore. J'aime trop ma pièce. Ouais. Et je me suis même pas fait une salle gaming, donc c'est évident que je vais me faire une salle de gaming ici, dans ma piole, parce que de toute façon, j'ai même pas besoin de lit, moi, je m'en fous. Et voilà. Bon, les gens, je vous dis à plus. Cet épisode a encore été ultra long. Je me suis encore éparpillé partout, mais au moins, j'ai bien kiffé, là. Et j'ai ma salle de billard, donc je suis content. Allez, bye!